Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfan pour un nouvel épisode de Dredge. Dans cet épisode donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Moi j'aurais bien refait un billet en vrai parce que on sait bien... On a bien perdu de la thune, bien comme il fallait. Oula, macro polyoculaire. Ces branchies sont dotées de globes oculaires, bien que superflus, ils observent les alentours frénétiquement, vous transperçant tous de leur regard. Ok. J'aurais bien fait ça, mais en fait... putain. Aïe, ça y est, trop tard. J'aurais bien fait ça, mais il faut aussi que j'amène la dame chez elle. Et du coup, récupérer aussi des matières premières. Donc je pense que... là, je vais essayer de voir si je peux vendre ça au poissonnier. Ah ouais, mais attends, il vient de faire... Il a fermé sa porte hier. Oh, non, mais c'est bon. Hier, aujourd'hui, il va mieux, monsieur, non? Va mieux, monsieur. Voilà, c'est sûr. Ah, barré de l'intérieur. Bon, bah... ma réserve... vire-moi ça. Hop, on va garder les deux moteurs. Let's go, on part. On a déjà perdu assez de temps. Il est déjà 10h du mat. Paf, on va plein d'or. Allez, hein. Alors si la chose qu'on peut se permettre, qu'on peut s'offrir, c'est de se pêcher un petit quinquin. Ça, on a le droit. Requin, cuivre. Non. On va rentrer comme ça, non? Ah non, putain, il est mastoc le truc. Ah oui, alors je peux même pas le ranger dans le truc. Ok. Putain, il est... Ah ouais, il est... Moi j'empêcherai bien le deuxième, mais je suis pas sûr qu'il rentre. Attendez, j'entrevois une place. Je pensais qu'il y avait potentiellement une place ici, mais en fait non. Bon bah désolé monsieur. Allez, salut. Juste épuiser stock de poissons. Juste buter des poissons pour rien. Bon, il est midi et demi, on est bien. Avec le boost en vrai, il y a peut-être moyen qu'on fasse des dingueries. Hein. Ah, c'est une bouée. Oui, ça fera l'affaire, merci mon ami. Laissez-moi un peu de temps pour tout construire, reviens quand tu veux, tu es le bienvenu. Elle sort quelques objets de sa boîte à outils. Prends ça, c'est toujours utile. Oui, oui madame. In my pocket ass. In my pocket ass, c'est... alors ça c'est déjà à vendre. Il faut que... Ouais, il faut que je débloque ça. Hop, ok. Retour. On a bientôt la canne à pêche du futur. Faudra peut-être débloquer un coffre entre deux. Tac. Ah, le dragage à la cool, c'est quand même bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Ok. Déjà, il va falloir faire demi-tour, c'est ça? Allez, let's go. C'est quoi? C'est des poissons? C'est des poissons, c'est des raies. Ignorer. Ça me va très bien, en vrai. C'était un peu l'objectif. et ben on repart. Hein. On a quoi comme place? On n'est pas lourd en place. Je peux rentrer un poisson 2 là et... Ouais. Oh, vas-y, on va tracer. Ah mince, je suis pas sur le bon truc.
s'est très bien passé. Alors mon pote, j'ai une de ces migraines, j'ai... Tu es passé hier, je me souviens pas. Bon, qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce que je peux pour toi? Bah j'ai un quinquin, ma gueule, pour toi. Et dans ma réserve, j'ai des chelous, là. Hein. Hop, là. Hop. Oui, pose ça en attendant que... Et voilà. J'espère que les mouettes n'ont pas volé tes prises, quelle vermine. C'est vrai, ça l'a pris. Une place. Cale sèche. Ah non, c'est du tissu qu'il faut. Il faut des planches. Planches à masse. Voilà. Donc là, il faut plus que du tissu. Deux tissus. Donc, j'ai de la ferraille en rab. Ok. Il faudrait idéalement que je trouve des tissus. Alors, dans ma cabine, j'ai commencé un livre, on avance bien. Encyclopédie, j'ai trouvé un requin. Quoi, non pêché? Ah oui, le requin légendaire, non pêché. Chercher des reliques. Les reliques, c'est... carte, je crois qu'il faut qu'on aille. Les falaises de Soufflevent. C'est pas à côté, hein. Moi, j'ai envie d'aller voir ces îles-là d'abord. On a bien entamé la journée et je crois qu'on est plutôt pauvre à 279. Je me demande même si on devrait pas. Oh, quoi qu'il est 9h, la journée vient de commencer. En vrai, la journée vient de commencer. Moi, j'aimerais aller voir là-bas. C'est des poissons que je connais déjà, ça. Hein. Oh ouais. Déjà poisson cubique là. Le poisson de brique. Par contre ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Un thon noir. La pêche de ce poisson est un loisir assez corsé, son corps robuste et charnu en fait un délice. J'ai fini de lire Un esprit paisible. Un esprit paisible, 10% de chance de 10% de résistance à la panique. Très bien, formidable. Bon bah commençons à lire ceci. Hop. On se remet à la pêche au thon noir. Et si on se charge bien en thon, moi je dis on fait demi-tour. Hein. Ouais. Pêche intensive, vider 25 zones de pêche. Bon bah voilà. Ouais, en vrai, je suis curieux de savoir déjà ce qu'il faut sur le marché du poisson, le gars. Ça, je sais pas si j'avais tout pillé ou pas. Ah merde. Coque endommagée, moteur HS. J'ai roulé comme un con. Ouais. La pêche est effectivement un tantinet plus simple. Hein. Sauf que là j'ai plus de place. Hein. Commence à faire une nuit noire, obscure, dark naissante. Hein. J'ai pas de place pour ça, dommage. Mais putain, faut que j'ai pété mes deux moteurs. Je suis obligé de me déplacer au boost. Ah, ça m'a fait tomber un poisson par-dessus bord. Ok. Bon, bah, je suis un peu deg.
mère apparaît devant vous, le maire apparaît devant vous sur le quai, son visage tangue devant vos yeux, et ses mots se confondent avec les vagues qui s'écrasent autour de vous. Vous, bien. Si vous voyez brouillard, forme, repos, attention, cauchemar, vous passez devant lui en titubant pour rejoindre la ville. C'est parce que je suis un peu fatigué. Ah, oui, en fait, ça m'a fait perdre un truc parce que ça m'a fait un trou à cet endroit-là. D'accord. Non, mais c'est bien, on teste des choses. Réparation. 90 balles. Bon, ça va, en vrai, ça va. On va pas se plaindre, en vrai ça va pour avoir fait le con, ça va très bien. Mm-hmm. Oh, je pourrais mettre des spotlights de ouf. Spotlight de ouf. Non. Je sais même pas si c'était bien. 1008. 750, ouais c'est mieux que de... ZZ. Ok. Chapeau, bois-tu. Il nous reste 59$. Alors, il faut vraiment pêcher, on n'a pas le choix. C'est vraiment. Ça va être l'épisode un peu du farm. Hein. C'est un peu notre job finalement. Par contre, ce que j'aurais bien testé là. Paf. Petite lumière là. Ah ouais. Petite lumière convaincante. Hein. Boum boum. Le cardocyclope. Une masse gélatineuse tentaculaire déborde d'un orbite unique. Ce qui ressemble à une pupille noire est en réalité le centre d'un œuf. Blerk. Blerk. Dégueulasse. Tac. Tac. Et il y en a encore. Ah bah attends, on va revenir au port. Parce que là... Oh, moi j'ai pas ce qu'il faut. On va. Voilà, on va pas faire le cake. On va être sage. On va être sage. Vraiment. Hein. Regardez, vraiment, on se déplace avec sagesse, calme et tranquillité. Ne te tue pas à la tâche, surtout au couchant. Mieux vaut revenir avec une pêche maigre que de ne pas revenir du tout. Vous avez l'air terriblement rassurant, les mecs. Hein. Par contre, il faut reconnaître que c'est quand même très consommateur ces poissons carrés là. Ça prend une place. Quoi ? Ah, je suis pas sur la bonne touche. X. Voilà. Chapeau pointu. Après. Pour 3-4 poissons, parce qu'en vrai j'ai vendu un poisson de base, mais sinon pour 3 poissons ils ont bien payé. Et puis Z. Ah vas-y, hein. On pille tout. On pille tout. On pille tout. Tout piller. Je veux tout piller. Ah bah y a plus rien à piller. C'est bien. Ah ça c'est les grands. Je peux en pêcher un. Moi je peux en pêcher un. C'est bien. Allez hop. Bon on fera pas mieux. Hop. Retour au port. Même si j'ai envie de booster. On va être sage. Je pense qu'on peut aller se refaire une petite escroquerie de nuit là vite fait. On manger un peu. Poissonnier, hop. Je sais pas comment tu tires le coup au quotidien, je ferai pas de vieux os au large. Oh, tu le dis, hein. Thune 263. Avec moi, il y a que la thune qui me fait avancer. Donc, ouais, on fait. On a fait 200 dollars là. Faut pêcher, quoi. Hein. Faut y aller, hein. Faut pas trembler, hein. Tac, et dedans. Une anguille crêtée. Une anguille au corps doté d'angles acérés et de courbes crochues. Sa rangée de dents
S'arranger dedans et son outil de vengeance. Ouais, il a l'air super sympa lui. Hein. On va épuiser le stock. Il y avait des poissons là par là. Je ne mens pas, j'avais vu. Du bon fonctionnement des moteurs. Ah, fais voir. Cabine. Du bon fonctionnement des moteurs ont une vitesse supérieure de 5% par rapport à celle indiquée. Excellent. Boum. Bien bossé. Allez, retour maison. Voilà, on a une jolie petite loupiote maintenant. Et on avance en plus. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? 161$, ma gueule. C'est pas de toi, hein. Allez, hein. Ah ouais, on farme même de nuit, hein. La terreur, tout ça, j'en ai plus rien à faire. C'est moi la terreur des 16 océans. Bon, il reste quelques calmars. Gêné, quoi. Empêche de te faire. C'est sécurisé, on est devant la maison. Paf! Poissonnier. Certains poissons préfèrent les eaux profondes tandis que d'autres restent sur les hauts fonds. Si tu cherches une espèce précise, tu dois savoir à quelle profondeur pêcher. Tendu. Et ben voilà, c'était 52$ gratos. On se fait une petite sieste. Je sais que l'architecte nous proposait de retourner la voir. Moi j'ai bien envie d'aller loot son île tranquillement. Et de draguer ce qu'il y a dans les environs. Je pense que ça peut être bien. Par contre, c'est vrai que si on va... Non, c'est pas ça. Si on va là-bas... Je vais donner un petit coup de collier. J'ai encore pété un mauvais moteur, vraiment. Je veux gagner du temps, résultat j'en perds. Oh! Ouais, bien bossé là, madame! Qu'est-ce que ça raconte, ma bonne dame? Merci encore de m'avoir aidé à aménager ici, j'ai réussi à bien m'installer. J'ai trouvé en rangeant mes affaires, c'est pour toi. Le guide de l'ingénieur ajouté à la cabine. Oh! Et elle vous tend hein, donc un livre, malgré la couverture poussiéreuse, il est en bon état. Si tu as besoin d'utiliser le quai ou de stocker des affaires ici, n'hésite pas. Cool. Bah déjà, je vais mettre un petit livre dans la... Hein ? Ah, on a maintenant la réserve aussi disponible chez elle. Trop bien. Putain. Vraiment, si j'avais su, j'aurais fait moins d'aller-retour pour rien. Un gros poisson là au milieu. C'est encore des requins cuivre. Polo. Bah j'en prendrai qu'un. Vous êtes trop gros. Il se passe des trucs là. Ah, je suis sauvé. Oh, je suis content de vous voir. Vous avez très mauvaise mine, vous allez bien?
Pas étonnant, ça pourrait aller mieux, mais ça fait un bail que je me nourris d'algues et d'étoiles de mer. Que je ne me nourris que d'algues de mer. Ah, c'est les gens à traduction en français, s'il vous plaît. J'ai échoué ici il y a 2 semaines environ. La mer était agitée et quand une vague nous a frappé sur le côté, j'ai été projeté par-dessus bord et emporté par les flots. Je pensais que mon équipage m'aurait déjà retrouvé, mais vous êtes le premier navire que je vois passer. Ce sont les gars qui vous envoient me chercher? Bah non monsieur. Oh, je suis sûr qu'ils doivent me chercher quand même. Vous pourriez m'emmener à la petite mouette? À la petite mouelle, je devrais pouvoir les retrouver là-bas quand ils s'y arrêteront. Moi je vous t'emmène. Monsieur, je t'emmène mon grand, vas-y. Ah bah tiens, paf. Hop là. On se traîne tout et n'importe quoi. Putain, j'avais même pas vu qu'il y avait écrit SOS en gros. Je viens de voir qu'il y avait écrit SOS en gros, je l'avais pas vu. Une catastrophe ambulante. Ah, je suis trop vieux pour le jeu vidéo maintenant, c'est fini. C'était bien hein, quand j'étais jeune. Hein. Ouais, mais la petite moelle, c'est laquelle des deux? Cabine. Oui, quête, si tu veux. Ouais, ouais, le naufragé, ouais, ouais. Encyclopédie. Ouais, ouais, truc moche. Carte. La petite moelle, c'est... Ouais, c'est ça, c'est celle de gauche. Mais j'ai un beau poisson légendaire à vendre. Donc je vais quand même d'abord me rendre à la grande moelle, puis je déposerai la petite après. Hein. Je le déposerai demain, hein, quand on aura réparé le moteur, qu'on ira pêcher, tout ça, quoi. Ça y est, l'océan commence à faire des bruits chelous. Ah. On me dit qu'il y a une dinguerie par là. Oh, j'ai envie de la récup. Hein. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ok, ok. Ah bah voilà, le calmar couveur. Des tentacules émergent d'un noyau lumineux dans un sac gélatineux. Il est accompagné d'autres noyaux inactifs. Des produits sains et bio, ma gueule, hein. Allez, le poissonnier. Bam, 150 balles. Ça fait plaisir. La cale sèche. Il te fallait un tissu de plus. Et pour un tissu de plus. Et donc la nouvelle coque améliore votre bateau avec une coque de niveau 2 et ajoute 5 espaces dans la cale. La coque peut encaisser l'impact. Un impact supplémentaire. Alors là, moi, ils viennent de me dire des choses, mais incroyable. Il faut un métal raffiné. Oula. Ça, ça sent la quête super spéciale. 4 espaces de cale dans la coque. Oh. Il faut 500 balles pour l'améliorer. Pile l'argent qu'il faut, pas plus. Hop. Main réserve, c'est bon, le poissonnier c'est fait, la charpentière, il faut que je répare mon stuff, j'ai encore tout pété. Merci la bonne dame. J'ai presque envie de vendre ça parce que le requin c'est bien. Alors ça me prend une place ce truc. Ouais, en vrai je vais le désinstaller. Vers la réserve. Ah c'est bon. Oh, c'est bon, ça suffit. Hop, on se bouge. On se bouge et on va... Oui, bah directement en face. Allez. On va directement là.
Ah, la douce odeur fétide de la civilisation, je ne pensais pas qu'elle pourrait me manquer. Il se tourne vers vous pour quelqu'un qui vient d'être sauvé. Il est bien sombre. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas grand-chose sur moi et ça ne vaut sûrement plus de tripettes. Pour moi, en tout cas, ça aura peut-être de la valeur pour vous. Il retire une chevalière de sa main gauche et vous la confie. Chevalière, un symbole de gouvernail, orne fièrement cet anneau. Il ne peut que porter chance au capitaine qui le porte. Je pars vers de meilleurs horizons, l'ami, adieu. Non. Négocions. 90 balles l'anneau, hein. Merci mon bon monsieur. On a toujours un livre actif, toujours le l'ingénieur actif. Là, il voudrait que j'aille là-bas. Moi, je voudrais visiter ces îles-là avant. Je propose d'y aller. Quoique... Non, non, on a dit qu'il fallait pêcher. Il faut faire des thunes. Il faut faire désespérément du pognon. On est dans une... On est dans une galère financière. Si on veut avoir un vrai bateau avec lequel on peut partir un peu sans se remplir la cale en deux clics. Ok, c'est... Ok, oh parfait. Allez, on part. J'ai désinstallé. Allez, on se ramène ça. Allez, 150 balles. Ou je remballe. La cale sèche, paf. Du bois, prends du bois, du bois, tu vois. Eh, il en faut encore du bois, hein. Il est pas gratos, hein, comme machin. Oh, on se tire d'ici. Hop, 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 hop. La farm, on n'a pas le temps, nous. Le guide de l'ingénieur terminé, excellent. J'espère que quelqu'un va nous refiler un livre. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre, d'ailleurs? Truc de l'ingénieur, le guide de l'ingénieur, les équipements ayant une durabilité, la perte 10% plus lentement. Ok, j'en ai pas, mais merci, c'est gentil. Des poissons, ouais, 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 mais des panzani, quoi. Ok. Ça a l'air que d'être que du bois encore. Mais c'est pas grave, du bois j'en ai besoin aussi. Au pire, on surstockera le bois si besoin est. Bah voilà. Oh, c'était juste une planche. On la prend. Tac tac, rocher. Y'a pas du poisson par là. Poisson par ici. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu ça. Mérou noir. Allez hop. Un petit mérouvingien, comme on dit dans le milieu. Hop hop hop. Hop 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 hop. On drift. Ah, le requin légendaire. Ah mais je peux pas le pêcher. Faut que je revienne pour ça avec le bon matos. Puis je vais faire ça. Je vais revenir avec le bon matos tout de suite, monsieur. J'arrive, j'arrive, j'arrive. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On a toute la nuit devant nous. Allez, prends ça, mon gars. Hop. Quelle sèche. Ça, hop, la dernière planche. Tac, 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 tac. On a dit ça dans ma réserve. Je voudrais, hop, l'installer tout de suite. Au moins 4 heures. Normalement, c'est bon, ça tient encore. Allez, il me faut le caquin, il me faut le caquin. Ouais, il est là-bas. Merde, c'est un moteur. C'est
C'est pas grave, on a l'habitude. On a l'habitude d'en péter au moins un, voire deux. Faut juste que j'ai le quinquin légendaire. Alors, requin à pointe noire. C'est juste un quinquin, quoi. Généralement paisible le jour, ce prédateur chasse avec acharnement dès que le soleil se couche. Okay. Vraiment sérieux, c'est tout ce que j'ai loot. La déception est totale. Je pense que je peux en rentrer un deuxième. Moi j'étais à peu près sûr qu'on pouvait en rentrer deux là. Que soit le sens dans lequel je mets, je gagne pas de place quoi. Ah, ouais, si. Ça peut s'emboîter, mais pour ça, faut que je le descende plutôt que le monter. Vous êtes insupportable à ranger, les gars. Oh, vous êtes un sup, hein. Allez, vas-y, hein, ça, j'ai un requin, tu vois. Super. Allez, hein. Allez, hein. Je vais prendre tout ce qui traîne, hop. Allez hop. Hop. Ça pourrait être parfait. Ouais, ouais, ça m'arrange. Oula. Ouais, un cabillaud mordeur. Ce poisson a des dents anormalement insérées entre lesquelles sont coincés des morceaux de petits poissons. La faim se lit dans ses yeux. Manger des pommes, monsieur. Non, vraiment. C'est moins méchant, les pommes. Putain, par contre, si je passe mon temps à péter mon moteur, on va jamais gagner d'argent. Je passe mon temps à flinguer tous mes moteurs. Allez, c'est passé. Tac, charpentière, on répare. On va se retirer le... On se le pose. Est-ce que je démonterai pas non plus le vieux moteur pour en mettre deux? Deux plus performants, genre je t'enlève toi. Je vais chez le charpentier, je vais regarder tes moteurs. Et je me dis, voilà, je prends un autre de 15-8, là. Et à la limite, je peux prendre cette bobinette, là, pour essayer d'aller un peu plus vite. Voilà. Ah! Ouh, ah! C'est rigolo, ça. Chalut basique. Rendement 8. 8 par jour, ça nous ratisse des poissons. Vas-y, je vais essayer. Hein. Capacité débloquée, chalut. Vous avez pour le bazar ici, j'étais long de boulot, je suis crevé, mais bon, tu sais ce que c'est. Ouais, on maîtrise aussi le sujet. Je veux juste voir comment ça marche. Hein. Je suis curieux. Oui. Comment ça? Ok, un truc qui se passe à côté de moi, mais je suis pas sûr. Tout va bien. J'ai looté un poisson. Ils viennent de me dire, monsieur, vous avez looté un truc. Hop là. Il y a un petit calmar légendaire. Un. Deux. Oh, ça loot, hein. Allez. Ah, mince. Je vais aller trop vite.
Ok, donc ça, c'est un autre quinquin légendaire. Bon, pas forcément, lui, ça me parle pas. Plus, je peux même pas le pêcher, donc problème réglé. Oh, je vois des trucs qui apparaissent dans l'obscurité. Ah, parfait, le beau gosse. C'est le même ? Calmar Crocker, des langues s'agitent autour d'une dentition jaune irrégulière. La rangée supérieure est composée de dents aplaties, comme les molaires humaines. Ah, c'est pas le même ! Ah, il y a plusieurs types de saloperies différentes. C'est 50 nuances de saloperie, le film. Vous connaissez ? Ouais. Maintenant, vous connaissez. Bah, je peux pas forcément... Si. Hop. Il bête le dessus. Voilà. Très bien. Allez. Oula. Tout est normal dans ma cale. Okay. J'ai looté un deuxième poisson. Il est 5h du matin, on a survécu toute la night. Alors, je suis bon ou je suis champion? Ne t'attends pas la tâche, surtout couchant. Mais voilà, ferme ta gueule, prends ton poisson. 189 balles, vendez des poissons pour un total de 2500 en bon rendement. Filet, rien. Ah, le filet a sa propre contenance. Attendez, c'est une dinguerie ça. Ça, je veux voir. Je veux des réponses. Essayons de faire quelque chose d'utile. Genre, partir là-bas, là. Ou repartir... vers la pointe d'Assis, que toutes ces îles-là, en fait, on les a pas vues. Mais pour l'instant, on nous demande plutôt d'aller vers falaise de Soufflevent. Pourquoi pas, on peut aller voir. Mais est-ce qu'on irait pas se voir ça dans un prochain épisode? Mais moi je pense que si. Je vous remercie, c'était Knafank sur Code d'Habitude Gaming pour Dredge. Et je vous dis à la prochaine.